Eric Orsena, l'homme aux mille et une vies. En fait, il n'a aucune limite, cet homme. Il peut devenir tout, il peut être conseiller de Mitterrand, il peut travailler à l'Académie française, il peut avoir écrit plus de 50 romans, 2 prix Goncourt. Il a fait plus de 100 pays, j'en ai fait 4. Et là, il arrive sur mon bateau dans 3 minutes. Et la vraie question, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut que je suive cette ligne. C'est comment il s'est inspiré de tous ses voyages pour écrire. Donc il faut que je lui parle de voyage. En plus, il vient d'ici. Il est de Paimpol. Ah, c'est... Ah bah tiens, c'est lui. Allô ? Oui, à tout de suite. Ravi de faire votre connaissance. Vous habitez dans le coin en plus ? Ouais, exactement, depuis toujours. Avant, j'étais dans l'île de Bréa. Alors, bienvenue à bord du bateau Littoral. Littoral, merveilleux. Et joli ce bateau. Bon, Eric, pour être totalement transparente avec vous, avant que vous arriviez sur le bateau, je me suis dit, comment interviewer un homme qui a eu plus de 1000 vies dans sa vie, qui a je ne sais pas combien de romans à son actif, 2 prix Goncourt, qui est à la fois marin, académicien, professeur, passeur, conteur, romancier. Je me disais, mais quelle est la première question qu'on pose à un homme comme ça? Donc, je vous le demande. C'est quoi la vie? C'est vrai? Eh bien, on met un pluriel. C'est quoi la vie? C'est, au fond, essayer d'être sur terre comme si on était sur mer. On est en bateau, et le bateau, c'est le mode d'emploi de la vie. Le bateau, c'est quoi? C'est d'être humble, parce que celui qui pense qu'il est plus fort que la mer, c'est un con. Et puis surtout, l'esprit d'équipage. C'est-à-dire que même les solitaires, s'ils ont pu être solitaires, c'est qu'il y avait une équipe derrière. Et donc, vous voyez, c'est ça l'affaire. Humilité, détermination, esprit d'équipage. Quand vous avez les trois, en général, vous êtes fréquentable. Et justement, cette humilité, cette détermination et cet esprit d'équipage vient forcément d'une construction passée. Et cette construction, elle s'est basée en grande partie ici, à Paimpol, avec votre père qui venait sur l'île de Bréa. Et j'ai envie de comprendre, en fait, cette curiosité qui vous a amené à être l'homme que vous êtes aujourd'hui, en fait. Je me suis rendu compte il y a peu de temps qu'au fond, le premier mot que j'ai appris dans ma vie entière, c'est merci. Parce que quand je disais pas merci, ma maman me disait, j'entends pas. Donc j'ai merci. Donc je me suis dit, si je dis merci, je vais entendre. Si je dis merci, je vais voir. Plus tard, si je dis merci, je vais aimer. Donc on dit merci et les portes s'ouvrent. Et puis, ma maman me racontait des histoires de rois de reines parce qu'elle était pour la monarchie. Mon père avait été marin, aéronaval et tout ça. Il me racontait des histoires de pirates et tout ça, etc. À un moment donné, à 8 ans, ils m'ont dit, écoute, maintenant, on n'a plus d'histoire. Mmh. Donc, 2 solutions. Tu vas d'abord lire, bien sûr. Et puis ensuite, tu vas inventer toi-même les histoires ou aller les chercher ailleurs. Et puis, c'est parti comme ça. Si je suis ce que je suis, c'est grâce aux autres. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à la confiance. Si je suis ce que je suis, tout ce que je suis, c'est grâce à ces gens qui m'ont dit à un moment donné, tu es plus grand que tu ne crois, tu es plus divers, tu peux y aller, vas-y, tu peux prendre la mer, tu peux aller de l'autre côté, au lieu de me rabougrir, au lieu de m'enfermer. Vous savez le mot, curiosité, d'où ça vient? Hein, c'est du latin cura, qui veut dire le soin, comme dans cure, dans curatif. Donc, celui qui est curieux, il prend soin du monde. Donc, rien n'est plus insupportable que de dire que la curiosité est un vilain défaut. C'est l'indifférence qui est le plus vilain des défauts, l'indifférence. On passe, on ne voit pas les autres. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui vous a poussé? Parce que tous vos récits sont divers et variés, mais ils parlent quand même de vos aventures, ils parlent de vos voyages. Vous êtes parti pour pouvoir raconter. Parce que je me disais qu'en soi-même, il y avait encore une fois plus que soi-même. Vous savez, la culture, c'est quoi la culture? De manière très simple, la culture, c'est l'inverse de la dépression. On a tous eu des moments un peu difficiles. Au milieu de la nuit, on se dit « Comment je vais réussir à aller jusqu'au bout du jour qui va bien finir par se lever ?» Alors que la culture, c'est l'inverse. On peut tout être. On peut être un marin, je peux, dans mes rêves les plus fous, être Jean Le Cam. Je peux être Roméo, je peux être aussi Juliette. Je peux être en même temps Roméo et Juliette. Pourquoi je suis romancier? Parce que je vis la vie des autres. Donc, ma petite vie à moi... Vous en foutez. Mais rien à foutre. Mm. Mais rien, rien. Ce qui m'intéresse, c'est d'être nourri de tous les autres. À 4 ans, vous savez déjà lire. À 8 ans, vous voulez devenir écrivain. Comment, à cet âge-là, on a autant de détermination? C'est simplement que, pour moi, la vie qui m'avait été donnée était un cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
qu'est-ce qu'on va faire d'une rencontre ? C'est comme vous. Il y a une rencontre, vous avez la possibilité, que vous vous êtes construite, de rencontrer des gens. Donc, qu'est-ce que vous faites d'une rencontre ? Ben, c'est pareil. Qu'est-ce que veut faire de cette rencontre principale qui est la vie ? Et puis, il y a une sorte de chasse permanente au regret. Pourquoi je me suis mis au piano il y a 8 ans ? Je dis, pourquoi je fais pas à 68 ans, vous apprenez le piano ? Oui, enfin, piano, je veux dire, il se marre le piano. Parce que je suis tellement nul, il se marre, je suis le plus mauvais pianiste du monde. Et je m'en fous. Parce que grâce à cet apprentissage, j'entends mieux. Quand vous peignez et que vous dessinez, vous voyez mieux. Vous comprenez ? C'est la pratique, c'est pas de la conso. Pourquoi j'aime tant la lecture ? La lecture, c'est une co-création. On voit tous le même film. Chacun, on lit un livre différent. Même si c'est le même, parce que c'est pas le même. Parce que c'est soi-même, on fait tous les trucs. C'est ça l'affaire. Mais justement, quand on est dans un monde... C'est pas la morale, c'est la vie. Ou sauf, c'est la vraie morale, c'est la vie. Mais vous parlez justement de savoir-faire, vous parlez de co-création, vous parlez que vous nous expliquez qu'il faut faire pour comprendre. Et donc en fait, dans un monde où on consomme et qu'on est dans une économie de court terme, comment on fait pour se réapprivoiser avec le temps long ? Mais quel est l'objectif ? On a ce cadeau immense de vivre. Donc l'objectif, c'est quand même d'aller le plus loin possible. Plus vous êtes heureux de cette manière-là, c'est-à-dire ouverte, moins vous emmerdez le monde. Parce que c'est ceux qui n'ont pas osé vivre qui attaquent la vie des autres. Complètement. Et qui les font chier. Moi, je me souviens, j'avais des discussions, j'ai eu la chance d'être, imaginez, son conseiller culturel, c'est comme si j'étais conseiller en show ou en chanson de Johnny Hallyday. J'étais conseiller culturel de François Mitterrand. Donc, bon, voilà. Et alors, son truc à lui, c'était les relations de pouvoir. Il disait, de toute façon, dans la vie, il n'y a que des relations de pouvoir. Ouais. Et moi, j'ai pas voulu avoir ce genre de relations de pouvoir, parce que même dans tous les domaines, notamment les domaines de l'amour, quand il y a une relation de pouvoir, pour moi, je m'ennuie. Je m'ennuie. Quand vous parlez de pouvoir, vous parlez de domination. Quand je domine, je m'ennuie. Parce que j'aime bien que l'autre soit un autre. Et que l'autre soit pas une facette de moi-même. Ce que j'ai envie de découvrir, c'est quelque chose de différent. Les gens qui ont la passion d'avoir raison. Mais à quoi ça sert de vivre ? Ils naissent, ils meurent, ils ont eu raison. Ma morale, c'est le pourquoi pas. Ce qui rend pas la vie personnelle très simple. Mais, pourquoi pas ? Il y a deux phrases. Une que j'aime, pourquoi pas ? L'autre que je déteste, c'est pas pour moi. Donc, ma vie, c'est simple. Le pourquoi pas. Et l'autre côté, c'est je tue le c'est pas pour moi. Et pourquoi pas, ça vient du bateau de Charcot ou rien à voir ? Bien sûr. Ah, ça vient inspiré de ça. Bien sûr, tout petit. Mon père me disait, ben voilà, les bateaux que tu dois avoir, ils doivent tous s'appeler, même s'ils ont un autre nom, s'appeler pourquoi pas. Donc, on va dire qu'ils s'appellent pourquoi pas littoral. Mais pourquoi pas le littoral ? Pourquoi pas le littoral ? Et quand on est pourquoi pas le littoral, pourquoi pas s'embarquer à partir du littoral ? Pourquoi pas le lointain ? Pourquoi pas retrouver le proche de l'autre côté du lointain ? Pourquoi pas le littoral ? Et justement, quand on parle du lointain, quand on parle... Et littoral, c'est quasiment littré, la lettre. Le littoral, c'est la lettre comme ça. C'est la plage vers le possible, le littoral. La plage vers le possible. C'est stylé ce que tu dis. C'est la plage, le possible. Donc, se promène sur la plage. Tu vois, il y a une sorte de caresse de la plage, du littoral. Et on s'en va en l'air. Et juste, Eric, je vous interromps. Est-ce que vous pouvez me tutoyer ? Ça me gêne. Oui. Moi, je préfère que vous me tutoyez, si ça ne vous dérange pas. La règle, c'était qu'on vous voyait, donc on tutoie. Non. Moi, je préfère que vous me tutoyez. Moi, je peux rester au vouvoiement parce qu'on parle quand même à l'Académie française. Ah non. Donc, c'est pas réciproque. Ça peut être réciproque ? Ah non, moi, je n'aime que les réciprocités. Ah d'accord, ok. C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, j'ai l'autorisation de vous tutoyer. Oui, ma fille. D'accord, merci beaucoup. Oui, ma fille, allez-y. Merci beaucoup, mon père. Oui, ma fille, allez-y. Je vous en prie, ma fille. Vous lirez après vos péchés en confession. Ok. J'ai envie de parler de tes voyages. T'es un voyageur, t'es un amoureux des imprévus. Bah, c'est Tintin. Moi, je voulais être Tintin. Quand j'étais petit, je voulais être Tintin. Moi, j'étais donc moyenne bourgeoisie, Paris, rue de Vaugirard, tout ça, sympa, tout ça, un peu ennuyeux, faut être franc, et je me disais, on va faire autre chose. Et donc, comme il y avait l'île de Bréa, il y avait tout ce coin-là, etc., donc il y avait le savoir pendant l'année et la découverte pendant l'été. C'était ça. Et puis aussi, pendant Noël et Pâques, on allait une autre partie de la Bretagne, c'est-à-dire qu'un père avec une famille qui s'occupait des paysans, enfin des machines agricoles. Donc j'étais à la fois la mer et la terre. Donc voilà, donc je me suis dit, donc Tintin, c'était formidable. Très vite, parce que Tintin, il y avait deux choses que j'adorais, c'était, ou trois choses, c'était un, l'amitié, parce que le capitaine Haddock, parce que tout ce petit monde, deux, aller un peu partout, et trois, essayer de combattre les méchants. Je me suis dit, je serais Tintin... Mais avec des femmes. Avec des femmes. Voilà. Est-ce que ça a marché ou pas ? Je suis le roi du râteau, mais ça fait rien, j'essaye. Ça a forgé ta personnalité aussi, ça a même écrit de nombreux romans. Ben évidemment, puisqu'il n'y a pas de roman d'amour heureux. Dès le début, je me suis dit,
mon bateau sera la terre. Et d'ailleurs, quand on réfléchit un peu à la manière de se comporter vis-à-vis de la Terre, il faut considérer la Terre comme un vaisseau spatial. Quelle est ? La Terre est un vaisseau spatial. Et donc, il faut que nous apprenions à naviguer sur ce vaisseau spatial qui est la Terre. Et il faut que nous devenions des géonautes, c'est-à-dire les marins nautiques, les géos, la Terre, nautiques, et ça, que nous soyons des marins de la Terre. C'est ça. Donc prendre soin de ce navire qui est la Terre. Et nous faisons absolument l'inverse, nous saccageons ce bateau. Et on sait bien, quand on est en bateau, quand on est sur le littoral, que si vous prenez pas soin du littoral, il va s'effondrer. Si vous prenez pas soin de votre amour, il va mourir. Etc, etc, etc. Mais en fait, comment on passe des belles phrases aux actions ? Parce que tout ça, on le sait. On sait que notre Terre, on sait que notre Terre est en train de se transformer. On sait qu'on on parle, mais on n'agit pas. Alors, quelle est la solution pour toi ? Il y a un truc dans notre tête, une sorte de faiblesse dans notre tête, qui est l'extrême différence entre savoir, croire à ce qu'on sait et en tirer les conséquences. Il faut évidemment émerveiller, parce que si vous alertez pour une terre qui serait une terre de merde, un caillou de merde, à quoi ça servirait ? On a la plus belle des planètes, le plus beau des rochers, le plus beau des vaisseaux spatiaux, par les hasards invraisemblables de toute une sorte de circonstances, la bonne distance du soleil, etc., et on le saccage. Donc il faut émerveiller, se dire, pour ça que je vais partout. Pour une raison très simple, c'est pour m'émerveiller. Pour m'émerveiller. Imaginez ce que c'est, là, je suis en train de sortir un gros livre sur les fleuves. Imaginez ce que c'est qu'un lever de soleil sur le Mekong à Luang Prabang au Laos. Inouï. Bah, vous allez ailleurs, imaginez ce que c'est que, je sais pas, sur le Mississippi, à Bâton Rouge, écoutez le blues, imaginez ce que c'est que la première fois où vous quittez un bateau à voile pas nettement plus grand que celui-là, avec Isabelle Autissier, vous avez le Cap Horn derrière, vous arrivez, vous avez 7 semaines de navigation. Ouais, vous arrivez, et brutalement, vous voyez quoi? Un iceberg bleu. Bleu, mais bleu comme ça, bleu comme ça, là, vous voyez, l'intérieur bleu. Pourquoi? Parce que l'oxygène était parti. Et moi, j'aurais vu ça? Ou moi, j'aurais pu ne pas le voir? J'aurais pu avoir de la terre dans les yeux dans mon petit cimetière, là, près de chez moi, sans avoir eu cet émerveillement du bleu dans les yeux? Mais pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi j'aurais pas vu ça? Et pourquoi j'aurais pas après dire, on va le respecter, cette chose-là. On va le tuer. Pourquoi je suis écrivain pour raconter, pour émerveiller, et pour alerter? Et puis en même temps, comme je suis aussi économiste, essayer de proposer. On peut économiser l'eau. On peut très bien économiser l'eau. Mais voilà. Mais justement, qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui sont dans leur caverne et qui n'osent pas juste prendre un petit peu de hauteur et réouvrir leur regard? Parce qu'on ne peut pas protéger, on ne peut pas préserver si on ne connaît pas, si on ne voit pas avec ses deux yeux. Il faut les embarquer. C'est pour ça que je suis un prof, moi. Vous êtes un passeur. Mais complètement un passeur, comme tous ceux qui naviguent sur le littoral, comme vous. Ce que je comprends de ton travail, c'est que dans tous les cas, tout part pour toi d'une question. Tu te poses une question et si tu n'as pas la réponse, tu vas aller creuser. Tu es comme un espion, en fait. Mais espion, tu as complètement raison, espion et puis reporter. Grand reporter. Et grand reporter, comme, tu sais, comme il y avait dans les époques anciennes, en 1930, j'aurais été comme l'immense Albert Londres en tout petit, ou comme Jeff Kessel, etc. Bon, maintenant, les journaux ont peu de possibilités d'envoyer les gens pendant 2 ans. 2 ans, je pars. Pourquoi je peux partir? Grâce à vous, grâce aux lecteurs. Et grâce à vous qui êtes les intermédiaires avec les lecteurs. Pour moi, la mer permet de libérer la parole, permet de parler différemment, permet de se connecter à quelque chose de différent. Et tu dis souvent une phrase que je vais citer. Tu dis « Je suis fou de bateau et fou de livre. Comme l'île, je suis nomade. Je navigue d'un morceau de terre à un autre, d'un livre à l'autre, d'une langue à une autre. Je suis de plus en plus frappé par la similitude entre le fait d'écrire « Il était une fois » et celui de hisser les voiles. » C'est-à-dire que le parallèle que tu fais entre l'écriture et le départ, hisser une voile et partir. Mais pour une raison simple, c'est que sur la mer, il n'y a pas de route. C'est toi qui dois créer ta route. Et quand tu es passé, la route se referme. Et à d'autres d'inventer leur autre route. Tu n'as pas d'autoroute. Comment tu dois inventer petit à petit. Donc tu t'inventes toi-même. Et donc ce sentiment est très clair. Il y a une sorte de balancement qui peut être une vraie tempête.
Et donc, tu es détaché de ta petite personnalité tranquille. Comme des tas d'écrivains préfèrent écrire dans les chambres d'hôtel parce qu'ils n'ont plus leur vie. Ils sont détachés. Tu vois, ils n'ont pas cette adhérence comme ça qui colle à la peau. Et ils peuvent être un peu tout le monde. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et quand tu navigues, c'est ça. Moi, dès que je navigue, j'ai cette liberté dont je parlais tout à l'heure, d'humble, et on peut être tout le monde. Construire sa route, c'est aussi apprendre à dire non. C'est apprendre à oser être soi. C'est apprendre à oser avoir plein de vie dans une vie, à oser être plein de personnes aussi, à être plein. T'es plein de gens différents, t'as plein de casquettes différentes. Et comment t'as construit ta route ? J'ai pas construit, c'est des rencontres. J'écris depuis l'âge de 8 ans. Bon. À 8 ans, j'ai créé un journal familial. Et j'avais déjà tout compris aux médias parce que je disais, abonnez-vous ou je dirai du mal de vous. Donc j'avais déjà compris... Un peu manipulateur, Eric. Mais totalement. Totalement, quand même. Déjà, 8 ans. Et déjà, j'avais tout compris du monde des médias. Ok. Donc, tu vois, tu dis du bien, machin, etc., etc. Donc, voilà. Et puis, j'ai écrit 11 romans pendant l'année, puisque j'ai cette chance de pouvoir dormir peu, de me lever tôt et d'être au taquet rapidement. J'écris à 5h30 tous les matins depuis que j'ai 8 ans. Non, c'est pas vrai. Mais si. Tu déranges pas. Mais si, ben voilà, non, jamais. Ce matin, avant de venir sur le bateau, t'as écrit. Évidemment. T'as écrit quoi ? Mais évidemment. Alors, j'ai écrit la fin d'un petit conte assez cruel, qui est assez amusant. Et puis, j'ai écrit un petit texte pour un opéra dont j'écris le livret. Et t'écris des choses juste pour toi, pour évacuer aussi, parce que je suppose que sous tes airs aussi de professeur, de passeur, de conteur, de romancier, d'économiste, il y a une sorte aussi peut-être de pression que tu peux avoir sur les épaules. Est-ce que parfois... Eric Orsena, c'est pas tout ça, c'est autre chose. C'est aussi un peu de tristesse, un peu de mélancolie, un peu de doute. Moi, j'ai pas des dépressions, mais j'ai des surpressions. C'est-à-dire, il y en a trop dans la tête. Donc, c'est l'inverse. C'est-à-dire, j'ai trop d'envie, de contradictions, de choses comme ça, etc. Donc, ça explose. Donc, j'attends que ça se passe, puis ça se calme un peu, puis après, ça revient pour l'instant. Voilà. Et toi qui as voyagé dans le monde entier, aujourd'hui, quand on fait un constat et qu'on se dit, on peut plus aller là, ces frontières sont fermées, comment t'imagines le futur de notre planète, en fait? On peut espérer une prise de conscience. De qui? Ben, d'un peu de la population. Par exemple, quand j'ai publié il y a 15 ans « Avenir de l'eau », 2 ans et demi de reportages à travers le monde, « L'avenir de l'eau », ils me disaient « c'est très intéressant, mais en tout cas, une chose est sûre, la sécheresse ne nous concernera jamais. Tu parles des pays lointains, tropicaux, jamais on sera concerné. » Maintenant, ceux qui n'ont pas compris que la sécheresse nous concerne nous directement, alors franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une notion absolument clé, et on revient à cette idée de vaisseau spatial, de l'unité. C'est l'unité de la santé, One Health, une santé. Si l'environnement va mal, le monde va le mal. Végétal va mal. L'animal le va végétal mal. Et l'animal va mal, et bien se rappeler... que nous, virgule, êtres humains, virgule, appartenons aux animaux. Bien sûr. Et que nous, virgule, êtres humains, virgule, n'avons pas le monopole du vivant. Cette prise de conscience, à ce moment-là, il faut des solutions. Ce que je dis, il faut émerveiller, alerter, proposer. Moi, je me dis toujours, déjà, regardons notre nombril avant de dire aux autres quoi faire. Mmh. Toi, à ton échelle, tu écris, t'informes, tu fais des reportages et t'essayes de donner un petit peu comme tu peux avec ta plume de l'émerveillement dans les foyers en France et à l'international peut-être. Mais donc ça veut dire que, est-ce que tu arrives à te contenter de ça? Non. Ou est-ce que tu rentres le soir parfois quand tu rentres d'Afrique, tu rentres d'Amazonie, tu rentres d'Ouzbékistan et tu dis... De chez nous, j'étais avec la Fondation Tara sur les plastiques. Oui. J'étais sur un zode, on était là à l'embouchure de la Seine. Et on prélevait, enfin les savants prélevaient à côté de moi, et moi je prenais des notes, un petit reporter comme toujours. On voyait, il y avait tous les petits éléments de plastique. Je dis, mais ça dépend de nous ça. Ça dépend évidemment. De nous. Parce que c'est facile de dire c'est le dérèglement climatique, c'est trop large, etc., tout ça, machin, CO2. Bien sûr qu'il faut faire ça, mais à notre échelle on fait quoi? On a de l'eau qui coule en face, qui s'appelle une rivière ou un fleuve. Et on en fait quoi? On le salope alors que c'est notre richesse à côté. Tu vois? Qu'est-ce que c'est qu'un fleuve, une rivière? C'est le cadeau tombé du ciel. C'est la pluie qui est devenue horizontale. Il n'y a jamais une solution. Tu n'as pas un médicament. Comme on voit, en tant qu'ambassadeur de Pasteur, je suis un certain nombre d'alertes et un certain nombre de réponses à ces alertes. Une des alertes les plus graves, c'est l'antibiorésistance, la résistance aux antibiotiques. Ce qu'on a toujours dit, quoi qu'il t'arrive, boum, t'as un petit médicament.
qui va régler. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. D'autres manières, c'est que, écoute, quand on te dit, écoute ça, la médecine générale est devenue une spécialité. Tu te rends compte la folie ? Oui, c'est complètement. C'est-à-dire que tu as perdu l'unité du corps et tu as un spécialiste mondial, excellent, du genou gauche. Mais c'est pas pourquoi tu claudiques et pourquoi ce machin et la relation avec la colonne vertébrale, la relation, la tête, comme le microbiote, c'est la tête aussi. Tu vois, le lien, etc. C'est ce genre de choses que j'essaye de faire comprendre. Pas du tout comme un savant, mais comme un passeur. Mais justement, aujourd'hui, un bon passeur, c'est quelqu'un qui arrive à mélanger les esprits pour pouvoir avoir une unité, comme tu dis. Oui. Pasteur, à l'époque, il s'était entouré de plein de gens différents pour pouvoir faire passer son idée. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on s'entoure toujours des mêmes personnes. Alors, super remarque, parce que Pasteur, il y a plein de choses qu'il n'a pas inventées. Et puis, on se moquait de lui, les médecins ne le prenaient pas au sérieux. Ah attends, parce qu'il n'était pas médecin. Mm. On l'appelait le chimiatre. Et donc, il avait réuni les savoirs. Pourquoi ? Pour avancer dans le savoir. Pour avancer dans le savoir, il faut réunir les disciplines. Il faut croiser les regards. Croiser les regards. Cousteau, il nous a permis de voir ce qu'il y avait sous la surface. Et Pasteur, il nous a permis de voir ce qu'il y avait sous les maladies infectieuses. Quand je vais dans les classes, ce qui m'arrive très souvent, je fais des conférences sur Pasteur, le commissaire Maigret de la science. Toi, tu t'appelles comment ? C'est quoi Eric Orsenna, alias qui ? Il m'appelle un mélange de Tintin, de Tournesol, de trucs comme ça, etc. Tintin, Tournesol. Mais justement, ce que je trouve assez intéressant, c'est mélanger les savoirs pour pouvoir faire changer une population. Toi, à la fois, tu fais des contes, tu fais des romans, tu fais des grands reportages, tu fais des biographies. Donc, tu mélanges les choses pour pouvoir parler à un maximum de monde. Et pourquoi on fait ça ? Quand tu vas à la pêche, en fonction de ton objectif, tu prends des outils différents. Absolument. Tu peux avoir les fouennes, tu peux avoir les avenots, tu peux avoir des pêches comme ça, tu peux avoir tout ce qu'on veut. Ben, c'est pareil dans la vie. Si tu es un pêcheur de réel, il faut que tu modifies. Donc, de temps en temps, tu peux avoir des choses grâce à des contes, de temps en temps avec des romans, de temps en temps avec des essais et de temps en temps avec des biographies. La musique, tu dis souvent, je trouve ça extrêmement poétique en fait, tu dis que c'est le chant du monde. Et qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est que il semblerait que les êtres humains aient commencé par la musique avant de parler. Et donc les premiers instruments de musique, c'était le chant du monde, c'est-à-dire des roseaux. Et donc, ils imitaient le vent entrant dans les roseaux. Donc, c'était ça. Ou alors, ils imitaient la vie, puisqu'ils évidaient des eaux et ils en faisaient des flûtes. C'était ça. Et puis après, il y a eu les tambours qui imitaient le tonnerre, et puis etc., etc., etc. Et justement, est-ce que tu ne penses pas que l'art, le silence, la culture, l'observation, les œuvres d'art, les tableaux, la musique, peut aussi permettre de changer le monde ? Oui, parce que encore une fois, c'est ce qui donne la raison de se battre pour cette planète. Si tu ne fais qu'alerter, tu vas dire trop tard, on peut plus agir. Mais on perd la raison de se battre. Si tu as une relation un peu nulle, amoureuse, pourquoi tu te bats ? Mais là, c'est quand même un trésor absolu. Toute cette inspiration que tu as de tes voyages, parce que tu es un puits de science, on en apprend tous les jours, je pense que tu t'arrêteras jamais d'apprendre. Est-ce qu'on peut dire qu'un jour, tu penses pouvoir être rassasié, te dire « j'ai assez appris, j'ai assez transmis, jamais. Et maintenant j'ai envie de passer à autre chose ». Mais jamais, mais passer à quoi ? À autre chose que la vie ? Il faudra bien. Mm. Mais jamais on passe. Tu sais, jusqu'à une date assez récente, je disais... Quand on me disait « comment vous présentez ?», je disais « je suis prof, passeur ». Et je me souviens, un élève m'a dit « pas du tout, toi, t'es comme nous, t'es un élève permanent ». Et élève, ça veut dire quoi ? Élevé. Donc tu prends, puis tu montes un peu, quoi. Pas forcément beaucoup, mais un peu. Bon, clairement, Eric doit partir, il nous reste 5 minutes, on a fait 10% de toute sa vie. On va garder un peu une petite part d'imaginaire. Derrière toi, on n'a pas parlé du prix Goncourt, on n'a pas parlé de plein de choses. Mais Eric, comment tu fais pour garder les pieds dans le terreau, dans le sable, dans la terre, dans la nature ? Et j'ai la sensation que c'est ça qui te permet de ne pas vieillir, en fait. Alors, évidemment, on vieillit, mais ce n'est pas grave parce qu'on s'inscrit dans une mécanique qui vous dépasse et on est bien dans cette mécanique. Au fond, je suis content de vieillir parce qu'on est bien dans cette mécanique. Je sais que j'ai ce rendez-vous hors du temps
tous les matins, c'est-à-dire la fin de la nuit. La fin de la nuit est à moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que voilà, la nuit, je passe du rêve à une sorte de rêve actif, qui est l'écriture de tous les matins. Ça, c'est... Et puis, la deuxième chose, c'est nécessité absolue d'être sur la mer un certain nombre de jours par an, obligé, pour la santé mentale, pour tout ça. Encore une fois, parce que c'est la fragilité, l'immensité, et puis l'entrée dans une sorte de légende comme ça. Et puis maintenant est venue la musique, parce que la musique, c'est exactement la meilleure allégorie de la vie. C'est-à-dire, il y a un thème qui est vivant, et puis il y a les variations. Donc la vie, elle est partout pareille, d'une certaine manière, et puis il y a les variations infinies. Quand on a la chance immense de continuer à vivre, mais encore une fois, merci, mais un merci avec... avec une vigilance. Tu dis souvent merci pour les autres, mais est-ce que t'arrives à te dire, punaise, je suis quelqu'un de bien? Mais jamais. Jamais. Ok. Mais c'est pas le but. Mais le but est pas là. On okay. s'en fout. Trop intéressant. On s'en fout, on avance comme ça, tout ça, mais jamais. En plus, quand les gens, pour être franc, quand il y a une sorte de remerciement, très bien, mais ça fait continuer. Ouais, je suis d'accord. Sinon, tu meurs. C'est-à-dire, au fond, j'ai toujours le sentiment qu'ils disent merci pour ce qu'on va faire après. Voilà. Autrement, le merci d'avant, c'est une rente. C'est pour ça que ta grammaire préférée, c'est le futur antérieur. C'est, alors, le futur antérieur, bravo, parce que c'est le futur avec des racines. Et moi, j'adore les racines qui marchent. Okay. Et les racines qui marchent, ça veut dire quoi? C'est un bateau. Eh ben, tu me donnes envie de marcher, punaise. Et tu me donnes surtout envie je me dis, mais j'ai tellement de choses à découvrir. Ah ben, ça, c'est clair. Je vais te demander de piocher là-dedans. Ouais. On aime bien l'aventure, on aime bien l'imprévu, donc je vais te demander de répondre à une petite question qu'on a écrite pour toi. D'accord. Voilà, laquelle c'est? Alors, la question est, quel est le secret que l'océan t'a confié? Eh bien, le secret de l'océan, c'est que d'abord, il est unique, car il y a plusieurs mers, il y a un seul océan, et que dans cette unité, il y a des diversités. Mais l'océan aussi est une sorte de repère des différentes temporalités. Il y a trois horloges. Mmh. Première horloge, les marées. Deuxième horloge, les courants. Troisième horloge, l'axe par rapport au ciel. Et donc, si on ne considère pas qu'il y a de la diversité dans l'unité et qu'il y a diverses horloges en soi, la vie sera moins riche qu'elle pourrait être. Donc en tout cas, c'est bien, c'est qu'on peut, se lire sous plein d'angles différents. Exactement. Je demande à chaque personne qui vient à bord une nouvelle page pour Eric. Alors. Celle-ci. Alors. Et ça sera pour les futurs lecteurs. Ah là là, c'est formidable. Génial. Un clap ensemble. Hop là, 1, 2, c'est parti. On va dans les variations. Ok. Si j'y arrive. Faut que j'arrête de dire justement, tu vois, je l'ai répété plein de fois pendant cette interview, le mot justement, c'est un type de langage.